Tac, je pense que c'est pas mal ça. Merci Vox, le merci Inspectorel. Le rire sans boucle pour s'endormir. Ah l'horreur. Non, je pense pas. Ah ouais, peut-être hein. Oh putain. Eh mais ils ont Nunu. Oh ça c'est du griffe par contre, ok. Ils ont Nunu Blitz, j'avoue que c'est vrai, c'est une idée de 100% en fait. Je vais aller voir le bleu quand même. Oh le sub tier 3, merci énormément. N'empêche pas d'apprécier le contenu, donne l'impression d'avoir raté une partie dès la conversation perso, pas de soucis. Bah après forcément forcément les pubs, tu sais je parle pendant 3 minutes donc forcément les gens vont rater une partie mais... Après tout le monde ne se tape pas non plus 3 minutes de pub, c'est rare que les gens prennent vraiment 3 minutes flat genre. Attends, ah oui si c'est bon, il y a deux. Merci Enari pour le sub, bienvenue à toi, merci Malik pour les 4 mois. Je lâche mon abo juste pour le rire, c'est gentil. Hein. Alors mon rire c'est soit tu le détestes, genre il est comme Narcus, il est très clivant. Bon on est, concentre-nous. Ah c'est rigolé là. Bon on a plus de flash, c'est chiant. Je pense qu'on LS push en early. Nice. Gagne le trade, je vais lui remettre une auto quand elle va auto le creep là. Ok, elle m'a auto moi. J'entends qu'elle auto le 16 pour que j'ai la vision sur elle et que je l'auto attaque, mais du coup je trade auto contre auto, ce qui est pas trop mal non plus. On n'a pas le level 2 comme prévu. J'ai tous les 16 pour l'instant, je vais perdre potentiellement un caster qui est un peu low. Ça a l'air d'aller. Faut que je récupère mon Q-spell vite pour préparer les creeps. Ah, pas de chance, c'était le pire 16. J'aurais vraiment bien aimé qu'il fasse l'inverse. Ouf. Auto-le s'il te plaît. Merci. Ils sont juste là. Hein. Elle a déjà potion Kaisa. Oh dommage. Il touche le Q, je instant ghost. Hein. Après on était aussi pas level 3. Vraiment le Q-spell de Brom est touché, j'ai un stand ghost. Bon, en vrai de vrai, on a un bon match à bot. Hein. Juste le fait que Brom ait plus de flash nous rend un petit peu... On va back là, c'est une wave canon. Il nous rend un petit peu exposé, mais... Ouais, il freeze pas ça. On double épée longue, hein. Je prends des stats offensives. Ok, là il va trade kill au top. Ce qui est bien sur un gank, même s'ils prennent le first blood en face. Il trouve bien assez grave le blitz, ouais il va falloir le surveiller. Hein. Bon, autant que possible essayer de back sur la wave avant la wave canon. Genre quand la wave canon part de la base, essayez de recall sur... vous clearez la wave et vous partez genre instant si possible. Parce que là regardez je perds 0 CS. On va slow push ça je pense. Essayer de leur faire perdre quelques creeps. On est fan, je vais être even en creep avec Kaisa. Elle a un peu mieux farmé que moi, notamment du fait que je me suis fait deny quelques creeps en early. Mais vu que j'ai un meilleur timing back parce qu'on a récupéré la prio, elle va perdre les 3 mêlées là. Du coup on va se retrouver even. Je vais même être un peu mieux qu'elle en XP. Ah ça c'est pas de chance ça. On a perdu 2 mêlées juste.
On a un petit slow push. Ok, regardez où la lane gank. Si on a un counter gank sur Nunu, c'est vraiment pixel. Je vais crash. Hein. Mais je peux pas jouer! Oh, fais-je trop chier. Oh, j'ai pas eu de frame pour flash entre les CC. Oh putain, no, flash E de blitz. Into boule de neige Nunu, into hook blitz rank. Non, comme on est trop censé win ce move, je suis dégoûté. Boule dent, flash. Je sais pas si c'est moi qui ping, hein, mais... Non, non, freeze, 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 freeze. Go back, go back. Ah, plus de flash, plus de flash. Ah, oh, c'est trop triste, c'est vraiment trop triste. Pour le coup, je peux rien faire. Le Brome a trop mal joué, il aurait dû courir sur Nunu et shield. Bah, en fait, si Brome tank la boule de neige de Nunu, enfin, si un mec tank la boule de neige de Nunu, on pistompe le fight, vraiment. Le fight est vraiment instant win. Parce que le fight commence trop bien, mais. Bah, je n'ai pas vraiment pas pu jouer en fait. Et pour le coup, ce n'est pas même pas un misplay de ma part parce que j'aurais dû flash au moment du flash blitz, je pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit un misplay de ma part le move. Hein. Jarvan essayait la tank mais il était trop proche de vous, ouais. Enfin, Jarvan pouvait pas faire grand chose. Après, à part recramer en flash. Mais c'est un peu overkill vu le setup. On sait, ok, c'est ok, c'est ok. On est quand même bien. Avec ce move là, on aurait tellement été les rois du monde, ouais. Peut-être un peu mieux, petit pause quand même, je pense que tu peux space pour ne pas être à portée de flash up blitzcrank. En fait l'idée c'est de bait le go in, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si je suis pas à range, y a pas vraiment de fight qui se met en fait. Du coup l'idée c'est... Anti... S'il se fait pas ou qu'il explose ou... Ok. Nice. Ok, nice, nice, nice. Good job, good job. Il lui prend toute sa wave. Il la prépare. Je pense que tu veux faire mieux si tu avais max W là. Ouais, je pense aussi. J'avais pas eu merci énormément à Roku pour les 5 subs. Je crois que je vous avais pas eu merci beaucoup, beaucoup. Désolé. J'aurais pas dû tout de suite. Vas-y, on push celle-ci. Continuez comme ça. J'essaie de prendre une plate. Il y a une nuit, hein, donc je me taille. Con.
Ça met deux sur une air gain, mais je n'ai pas le droit à ce genre d'erreur en fait. Je peux grid la wave, mais il faut que j'ulti le hook. J'ai grid un peu, j'ai essayé d'ulti genre dernier frame, et malheureusement, même les 4 millisecondes n'ont pas suffi quoi. Malheureusement, je n'ai pas été assez bon. C'est full mécanique la Corée, je ne peux pas genre être ne pas être pixel en fait. Si je ne suis pas pixel, je vais mourir, donc il faut que je sois pixel, j'ai pas le choix. Elle doit, ouais, la Kraken en plus. Bon, on prend vraiment 0 par contre à chaque hook. Hein. En full 1v1 isolé, QEVA, même stuff qui est Xa qui gagne. Et sur quoi se joue le 1v1 ? Normalement, ce qui est ça qui gagne, en gros, le 1v1 se joue sur le retour de plume de Xayah. Si j'arrive à mettre un R. Oh, ça griffe là par contre. Je crois qu'il est en train d'A9 la game. Ok, ça est fait, ça me fait un peu peur. Si j'arrive en gros à mettre un R et à lui mettre un retour de plume. Genre vraiment avec beaucoup de plumes je gagne, mais normalement elle est sauvée pour dodge, donc en DPS pur elle gagne. Que des wins aujourd'hui. Ah, merci Loet Pastaga. Ah, fait chier qu'il essaye fed. Blitron fait vraiment du bon taf. On va crash ça. Il y a un plus simple à jouer pour Kessa aussi. Ça dépend le setup. En termes de laning, je suis quand même plus content avec Xayah. En fait, s'il y a des creeps, je suis beaucoup plus content avec Xayah que Kessa. Mais s'il n'y a pas de creeps, c'est Kessa qui gagne. Ah, stuff équivalent. On décale si besoin. Top, il est en train de l'arracher, c'est excellent. Faire la ward, non? Ok. Je vais pink ici. On a eu son flash, C'est bien, c'est bien. Le ghost aussi d'ailleurs. Non, ça c'est pas bien par contre. Ok, ça c'est très bien. Salut Malphite. Alors mon frérot, ça tank? Oula. Nice. Salut Camille. Alors, ça pue? On a pas mal overstay, on back. Job. Merci beaucoup Darkus pour le raid, salut à tous! Parfait, la tour top est excellente, ça me paye ma BF. Ah non, pardon, bah, je vais aller bot du coup. Quel save pour la midwave. C'est bien passé le game de Darkus aujourd'hui, j'ai pas vu, juste vu qu'il était. Qu'il avait démodé D1 qui était repassé master. T'as terminé où Darkus?
Master de LV. Ok. T'as commencé quoi? Nice. Équipe de V2. Nice, ça a bien joué. Le 2v2, on peut pas vraiment le perdre. Hein. En fait, en gros, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est. Même si je me fais hook et tout, y a pas de problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est. Broom met une auto-attaque ou un Q-spell sur Kai'Sa. J'auto-attaque Kai'Sa. Dès qu'elle est stun, je route, c'est gagné. J'ai plus de range qu'elle, elle peut pas me match. C'est genre une. Ils peuvent rien faire. 2v2 avec Akali. Bah, les gars, regardez le replay et dites-moi combien de dégâts Akali a mis sur Kai'Sa. Ok, merci. Ouais, désolé, je force l'ult. Elle n'a même pas eu l'assist. Je vous donne la réponse. Donc après, oui, effectivement, elle nous a aidé à tuer Blitzcrank. On est sûr qu'on avait besoin d'aide. Je vais me poser mid. Si, si, elle a eu l'assist. Hmm. Elle a protobell dessus, frère. Elle a mis 133. Je veux dire, je... Enfin, c'est... Même pas, 157 dégâts magiques, elle a eu tapé à 112. Genre. Ce qui est la même chose. Et Kai'Sa bot. Oh, Kai'Sa Camille. Elle est dans la sauce. Hein. Ouais, dead, par le W. Si elle se fait par le W, elle peut survivre, mais... Bon, ça va aller Drake, hein. Elle l'a forcé à commit? Non, elle a pas du tout forcé à commit. En fait, je me fais hook, genre... Je pense pas qu'elle ça à commit. J'arrive. Ouais, pas taper Blitz. Mon pantin. S'il te plaît. Non. Yes, Pantakili. Arrêtez, il va nous mettre à poil. Bien joué. Clean fight. Premier pantin de Corée, je crois. Myrtus le pauvre, il est passé à 3 pantins d'en avoir un. Nice. Bon, il faut win la game encore. On est bien, mais c'est pas encore gagné. Je me suis fait gongbang, ouais. Tu peux l'ulti Camille avec le tien? Ouais, c'est ce que j'ai fait là dans le fight. J'ai hésité un peu, mais... Après je me dis en fait oui. J'ai eu le temps de réflexion pendant qu'elle était en train de me faire. En mode, je l'ulti ou pas? Et après je me dis, bah en fait je n'ai rien d'autre de particulier utile, j'ai une Shockwave Orianna mais j'ai mon flash donc... Ah, je suis mordu le deal. Allez Akali, c'est à toi de jouer. Hop, mort. Ouais, la Swisper, je pense. Ouais, la Swisper. Merci Androgyne pour le... Ok, au français, un resub à Faker. Ça met son air en CD avec Camille. Oui, bien sûr. Bah, j'utilise son ulti, quoi. Du coup, oui, bien sûr, c'est son air en CD. Comme si je mettais un ulti sur un R-Cartus ou quoi. Voilà, stopwatch, c'est un peu copium. Mille gold sur qui? C'est qui a tué Malphite? J'ai pas vu.
Rappuie sur eux, rappuie sur eux. C'est bon, good job. SDT. C'est bon. Ils ont Nash, mais on clean up tout. C'était Nuke qui a eu le kill. Ok, parfait. Hein. Bon, ça va, on est bien là. Mahouk blitz, non? Ouais, il est là le hook. En mode, ça a changé les icônes de blitzcrank, je m'y retrouvais plus. SDT, ça veut dire quoi? Ça veut dire nice. Je vais récupérer le raid. J'ai le temps? Ouais, j'ai le temps. Voilà, on est trop bien. Il n'y a qu'un seul mec fait en face, c'est Keisa. Et on a Malphite. Malphite Akali pour s'en occuper, genre. Plus, si elle me go in, Brom il joue bien, il est en cover avec moi perma, c'est comme ça qu'il faut jouer Brom, hein, mais. Et du coup, il a juste à mettre une auto-attaque sur Keisa, je lui mets 3 autos, elle est morte, genre. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Le bleu va bientôt fade, je lui laisse à Akali. Ouais, prends. On peut monter 3, il y a ni Keisa ni Camille. Est-ce que Blitzcrank a DF? Ok, on peut peut-être win, on peut peut-être win. Ah, on n'a pas l'ulti Malphite, pas l'ulti Jarvan. Il reste Oriana en fait. C'est quand même dangereux. Hein. Shockwave Oriana ou Blitzcrank. Avec des ultimes Malphite, Jarvan on aurait pu dive, mais sans. Cinq bots, win, GG. No fight. Ils savent pas se faire ça en Corée, frère. On a deux inhibs, y'a pas de on back, on va. Ok, ça bon, j'étais un back un peu greedy. Ok, ça on appuie sur B. Le route, oui. Ok, on back, on vous rebotte maintenant. C'est bon. Cinq bots. Tout ce bot, les gars. Back d'européen ça? Ah pour le coup en Corée il y a très peu de cancel back hein. Là ils l'ont fait mais je parle en termes de lightning et tout. En Europe je t'assure que les mecs cancel les back beaucoup plus qu'en Corée. Après c'était dû aussi à l'Elo parce que là je joue en genre en master 200 LP. Mais en Europe tu fais un recall sur une lane, le mec il va pas te laisser back hein. En Corée les mecs sont pas te les couilles hein. Du coup ça te donne, tu prends des mauvaises habitudes à faire des greedy back. Bon, Jarvan n'est pas là, Camille est là-haut. Camille a une TP, faut que je sois attentif. En absolu, je veux R l'ulti Camille. Et flash à chaque fois, Oriana. Et Shockwave. Quoi d'inquiète, j'ai fait double pinta dans la game, frère. Ah, oh, c'est trop bien de jouer avec Brom. Xayah Brom, hein. Tu fais difficilement mieux en réception. On a le temps de 3ème inhib, hein, je pense. On a le temps de 3ème inhib, les gars. Hein. C'est moi, juste prendre ça. Ok, yeah, c'est bon, ils connaissent la tech en Corée. Bien joué, c'est bon. GG. Merci.
Nice. Bien joué, Bromu. Pour le troisième inhib, en gros c'est un LP par inhib. Du coup bah quand la game est free win original tu peux pas trop te le permettre mais...